Je m'appelle Mariana, j'ai 10 ans, et je vis dans le nord-est du Brésil. Je n'ai pas cette vie que toutes les petites filles de mon âge ont, cette vie où tu profites du temps libre que tu as pour jouer avec tes amis au lieu d'étudier à l'école. D'ailleurs, je n'ai pas d'amis. Ça peut paraître étrange à dire, mais je n'ai personne à qui je peux me confier. Ce n'est pas par choix, mais plutôt par obligation. Personne ne doit m'approcher, me parler, ou avoir quel contact que ce soit avec moi. J'ai d'ailleurs un garde du corps qui se charge très bien de garder les personnes à distance de moi. Imaginez un grand malabar assis à côté de moi, l'air sérieux, et ne me quittant pas des yeux une seule seconde. Ça vous paraît pesant? Et pourtant, c'est mon quotidien. Les enfants de mon école me trouvaient bizarre, me vannaient, me traitaient de nerd et me pointaient du doigt. Je n'y prêtais pas attention, mais ma mère décida de me retirer de l'école pour prendre des cours particuliers, afin de limiter les problèmes d'agression. D'ailleurs, c'est un détail que j'ai omis de vous dire, mais elle fait partie de la police. Elle et ma grand-mère. Toutes deux sont des personnes respectables et respectées de la population. Mais ici, le problème quand tu enquêtes pour démanteler des réseaux de criminels, c'est que les risques sont immenses, et ceci peut vous expliquer la présence de mon garde du corps. Et des agressions, notre famille en subit au quotidien. Il y a plusieurs mois, notre chien prénommé Fred, que j'aimais si fort, a été tué à coups de couteau durant notre absence. C'était clairement un message envoyé par certains criminels pour nous faire peur et nous montrer qu'ils savaient où on habitait. Quelques semaines plus tard, j'ai voulu plaisanter avec la seule personne que je vois au quotidien, mon garde du corps. Il a le même nom que mon chien décédé, Fred, et je lui ai dit, j'aimais bien quand tu sautais pour essayer d'attraper le nonos. Pourquoi tu ne le fais plus? Mais je crois que ça ne l'a pas fait rire. Même pour une personne qui est à mes côtés presque 24 heures sur 24, je ne me sens même pas proche de lui. Quelques semaines plus tard, j'étais partie exceptionnellement avec Fred acheter du pain, et lorsque je suis arrivée devant chez moi, deux voitures noires se sont arrêtées devant la maison et ont mis le feu. Ils ont envoyé des cocktails Molotov à travers la fenêtre. Cela fait maintenant une dizaine de jours que j'ai été kidnappée. Mais je ne sais pas exactement combien de temps, car dans le noir on perd vite cette notion. Chaque jour, j'ai comme repas un reste de pain rassis un verre d'eau. Chaque jour, comme soutien, des coups de bâton qu'ils me donnent sur mon bras gauche, qui est maintenant cassé. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Fred m'a sauvé la vie en se mettant en travers de mes agresseurs. Mais ils prennent un malin plaisir à nous torturer, taper là où ça fait mal. Fred en a perdu ses dents. L'un d'eux nous a dit d'un air malsain, en temps normal, on fait juste ça pour l'argent, mais cette fois-ci c'est différent. On veut voir tes parents mourir. Et cette phrase me glaça le sang. Une fois, ils nous ont sortis de la chambre dans laquelle on était pour nous emmener dans une espèce de cuisine immonde où une bassine d'eau était placée au milieu de la table avec un couteau et trois chaises autour. Ils nous ont torturés chacun à notre tour juste pour le plaisir. Je suis passée la première. Il me plongeait la tête dans la bassine et rien de me voir me débattre. Chaque bouffée d'air me rapprochait un peu plus de l'asphyxie et mes poumons brûlaient de ne pouvoir respirer. Cette vingtaine de minutes m'a paru une éternité. Puis ils m'ont mis sur une chaise pour regarder Fred subir le même sort. Puis l'un d'eux dit lui, oh on n'a pas vraiment besoin, tu peux le charcuter un peu. Puis pris le couteau pour lui découper une oreille. Et les cris de douleur m'arrachaient des larmes que je ne pus contenir et dans un élan de courage je pris le couteau des mains pour menacer cette ordure. À ce moment-là, j'aurais pu le tuer puis m'enfuir avec Fred. Laisser cette ordure pourrir dans cet endroit. Mais à quoi bon vivre avec le fardeau d'avoir une mort sur la conscience? J'ai donc lâché le couteau, ils nous ont reconduits dans notre cellule sans dire un mot puis nous ont laissé comme ça quelques temps. Puis plus tard, ils sont revenus, l'un s'approchant de Fred et lui tenant la tête dans ma direction, l'autre s'approchant de moi. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, Fred criait très fort et l'homme commençait à me tenir pour baisser ma culotte. Ce pervers me mettait de force son pénis en moi, tout en donnant des coups de bâton sur mon bras cassé, pour que j'arrête de bouger. Je ne pouvais rien faire et le fait de regarder cet homme dans les yeux me faisait perdre foi en la nature humaine. Fred pleurait de ce macabre spectacle. Les va-et-vient étaient interminables, jusqu'à ce qu'il jouisse en moi. Je me sens ignoble. Puis tout en remettant son pantalon, il sortit un pistolet, tira dans la tête de Fred puis, se tournant vers moi, il tira dans mon corps. Et calmement, il rentra son pistolet, et tous deux quittèrent la pièce tout en éteignant la lumière derrière eux et fermant la porte. Je suis sur le sol, agonisant de douleur, l'odeur du sang chaud de Fred mélangée au mien et l'odeur de mort que renferme cet endroit sert à mon tombeau. Je laisse un dernier souffle dans la douleur et regrette ma vie.
Son cadavre et celui de Fred ont été retrouvés quelques jours plus tard, mais les kidnappeurs avaient laissé l'endroit à l'abandon. Après plusieurs mois d'enquête, les assassins courent toujours dans la nature.